Météo, où va-t-il neiger ce week-end avec le gros coup de froid annoncé? Cette semaine, le mercure s'élève de manière exceptionnelle, mais cette tendance ne perdurera pas. Une perturbation météorologique apportant des précipitations et une baisse des températures affectera la France dès vendredi. Le jeudi 21 mars, le temps est sec et relativement chaud sur tout le territoire, avec des températures dépassant les 23 degrés dans le sud. Cependant, cette douceur sera éphémère car une agitation météorologique frappera le pays dès le week-end, avec au programme pluie, neige et chute des températures. Vendredi, une nouvelle perturbation météorologique arrivera par le nord-ouest, apportant des pluies d'abord sur les côtes normandes et bretonnes, puis progressant vers Nantes et Lille. Dans la nuit de vendredi à samedi, le nord, le centre et le sud-ouest seront touchés par des pluies parfois orageuses. Samedi, les températures chuteront significativement, avec 5 degrés en Savoie et 7 degrés en Bretagne. Les chutes de neige reviendront au-dessus de 1000 mètres dans les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. La semaine prochaine, cette tendance persistera, avec un temps gris et des pluies parfois abondantes.